voulais éviter, je voulais pas que ça fasse captation théâtrale, surtout pas. Et en même temps, je voulais assumer le côté huis clos et donc la théâtralité du projet dans sa globalité, quoi. Je voulais quand même les emmener dehors, vu que dans la pièce, tout se passe dans l'appartement de Jean-Louis. Donc je voulais quand même l'appartement de la grand-mère, de la mère, je trouvais ça drôle qu'on la voit chez elle. C'était presque encore plus brutal, encore plus intrusif de venir faire ça chez elle, quoi, avec l'autre qui débarque avec son Polaroid. La scène dans le jardin, évidemment, qui n'est pas... Toutes les scènes, en fait, toutes les scènes qui sont... La pièce commence quand Michel vient prendre le pouls de son ami. Donc j'ai rajouté tout ce qu'il y avait avant, qui installait un peu où en était mon personnage. Voilà, au moment où on allait s'intéresser à sa vie, donc ses difficultés sexuelles avec sa femme, son travail, son lien avec son ami, les scènes de club de sport et tout ça. La scène de la photocopieuse que j'ai rajoutée, parce que je me disais qu'est-ce qui serait vraiment embarrassant avec cette photo. Donc voilà, j'ai imaginé cette situation-là. Puis après des modifications, Nicole Garcia, son personnage est un arabe africain dans la pièce, et la scène de la cuisine, parce que dans la pièce, il n'évoque pas le somnifère, et moi, ça m'a toujours gêné, je ne sais pas, son calibre un somnifère, quoi. Ah oui. Et donc je voulais évacuer cette option-là, donc j'ai rajouté la scène de... Après, j'ai rajouté plein de petits trucs, mais j'ai beaucoup élagué aussi les scènes, parce que le verbe au théâtre, il est essentiel, si on parle plus, il peut se passer des choses, mais... Au cinéma, par contre, quand c'est trop bavard, donc j'ai beaucoup élagué, mais je pense, vous avez vu la pièce, je pense qu'il y a 70% de la pièce, il y a les passages les plus drôles, et puis toute l'histoire, beaucoup, beaucoup de la pièce. Oui, une dernière question. Entre quand vous avez pensé à faire ce film et donc la sortie, est-ce que c'est juste possible, parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose d'incroyablement long entre ces moments-là, le tournage. Est-ce que vous pouvez juste donner comme ça le nombre de semaines ou le nombre de mois entre, bon, j'ai eu l'idée, je pars en janvier, X, ouais. et pour qu'on en arrive aujourd'hui, donc au 5 octobre. L'idée, je l'ai eue, en même temps, je l'ai eue il y a 6 ans quand j'ai vu la pièce, mais je ne me suis pas mis à travailler dessus. À partir du moment où j'ai décidé de me travailler dessus, l'adaptation, le scénario, ça a été un peu moins de 2 mois. Le financement, trouver les acteurs, débloquer les financements, c'est allé assez vite. Ça en a mis 2 mois, 2-3 mois. Après, il y a une petite pause. Il y a eu 2 mois de prépa, trouver des décors, faire le découpage, tout ça. Il y a eu 2 mois de tournage. Il y a eu 5 mois de montage. 6 mois. Ça met. Je sais pas comment. Moi, j'ai l'impression, à partir du moment où j'étais vraiment que là-dessus, j'ai l'impression d'y avoir passé un peu moins de 2 ans. Un petit peu moins de 2 ans. Ouais. C'est long, mais comme c'est des étapes différentes, et c'est toujours. Ça paraît pas long quand on le fait, en fait, parce que l'écriture, c'est une chose, après la préparation, c'est magique, tout devient concret, on trouve nos décors, nos acteurs, tout prend vie, c'est le rêve. Le tournage, c'est encore une autre difficulté. On est pressé par le temps, les moyens ne sont pas illimités, il faut qu'on rentre les choses dans la boîte. Et puis après le montage, c'est une réécriture. C'est là vraiment qu'on construit le film. C'est des étapes différentes à chaque fois. Donc j'ai pas le sentiment d'avoir été dans un tunnel de travail, d'un travail laborieux et répétitif pendant des mois et des mois. À chaque fois différent. Bonsoir. Bonsoir. Merci, merci, merci. Et quand vous avez écrit le film, est-ce que vous aviez déjà les acteurs en tête ou pas? Nicole Garcia, oui, parce que c'est un personnage que je modifiais, donc j'avais besoin d'avoir une actrice en tête. Et après, j'ai beaucoup pensé à Karine et à Vincent. Vincent, on avait déjà fait un film ensemble qui s'appelle Tristesse Club, donc qui parle de la famille aussi. Ça m'a travaillé. et je trouvais qu'il me, je sais pas, on déconnait beaucoup, on faisait pas mal d'impro et je trouvais qu'il me faisait penser à Jacques Villeray, même s'il est très différent, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fait penser à Villeray, il y a un truc en même temps poétique, un truc un peu loser, en même temps puissant, je sais pas, et ça m'était resté en tête, ça,
Il y a un lien avec le dîner de cons, je trouve, dans le mécanisme de la pièce, dans le sens où nous, on sait pourquoi la mère est là, mais elle ne le sait pas, on a une longueur d'avance sur elle, comme on a une longueur d'avance sur Villeray, et puis le côté un peu souffre-douleur. Enfin, je sais pas, j'ai toujours fait des corrélations entre Villeray, Weber, cette pièce, et le rôle de Michel qui va les distribuer. Donc j'ai pensé à Vincent assez vite. Hélène Vincent, je voulais une actrice beaucoup plus âgée qu'elle au départ. Je voulais vraiment une actrice de 90 ans. Je trouvais ça drôle, je trouvais ça plus drôle en fait. Mais en fait, j'en ai auditionné quelques-unes et j'ai eu peur en fait. J'ai eu peur parce qu'on la maltraite, on la secoue, et puis la scène, la révélation sur le père, il faut y aller quoi, en énergie, de jeu, en rage, il faut y aller. Et les actrices plus âgées que je voyais, elles avaient plus cette énergie-là. Donc moi j'avais vraiment besoin pour le climax du personnage. Donc je me suis dit bon tant pis, je voulais prendre une actrice que je vais vieillir, parce que je voulais éviter. Parce que ça fait souvent fake, mais là je trouve que ça passe bien. Et Karine, de toute façon pour moi c'est une des meilleures actrices françaises, donc j'y pensais très très vite, elle a l'autorité, le rythme. J'ai eu la chance d'avoir mon premier choix, mon petit goût tout de suite. Mais les rôles sont bien. Bonsoir. Moi j'ai une question à propos des personnages. En fait, bon, déjà bravo. Oui, il m'a secoué ce film. J'ai pas encore une vision très claire parce qu'on est encore à chaud, mais il m'a secoué dans le rapport à la famille. Les acteurs, que ce soit vous ou Karine Viard, on a l'habitude que vous soyez quand même plein d'humanité dans tous les films qu'on connaît. Et là, il y a une dureté. Non, mais c'est vrai. Karine Viard, généralement, là c'est. En fait, le personnage. Oui, non, je l'ai pas vu. Oui. Et en fait, ma question, c'est autant votre personnage, on voit l'évolution, il est à la recherche de ses origines, de tout ça, il a une, voilà, on voit évoluer, être malheureux, se poser plein de questions, autant sa femme. Bon, les cases sont cochées, on a vu toutes les. Ouais. Et quelle est son évolution selon vous dans le film, enfin, je ne sais pas quoi penser d'elle en fait. Je la trouve dure. Et je trouve que dans le rapport avec sa belle-mère, c'est dur aussi. Tout le film, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle aura fait cette femme pour susciter autant peu d'empathie. Donc j'étais angoissée parce qu'elle avait le menton qui tremble, cette petite dame. J'avais peur pour elle. Et à la fin, on comprend et c'est soulageant de l'avoir sous son visage. Et la femme, quel rôle? Mais la mère, elle est quand même très passive-agressive au début. Elle est très très gentille, mais elle fait quand même, je sais pas, tu sais, on n'a qu'une seule maman. Elle est plus âgée que toi, mais on n'a qu'une seule maman. On sent qu'il y a des... Et vous savez, les choses qui font... C'est le lendemain, on se dit... Agression passive. Il y a des gens qui sont très forts pour ça. Il y a un truc, puis c'est le lendemain pour lui prendre que... On aurait dû réagir. Et elle est très comme ça, la mère. Donc, à l'interphone, ah, t'es pas tout seul, que des trucs comme ça, ils sont fatigants. Et Valérie, elle la connaît par cœur, quoi. Donc, elle arrive, elle sait que ça va être comme ça. Et bah, pareil, c'est aussi une réplique que j'ai rajoutée dans le mariage. Si elle ne vient pas. La dernière fois que tu m'as annoncé un problème, c'était pour ton mariage, c'est quoi cette fois-ci, enfin, on sent, elle n'est pas si gentille mamie que ça. Hein. Mais dans le coup. Dans la pièce, elle est beaucoup moins proactive. Dans la pièce, elle est uniquement hystérique. Moi, je ne voulais surtout pas ça. Donc, je l'ai rendue beaucoup plus proactive. Elle prend vraiment son mari par la main, elle le sauve. Par exemple, le retour du flashback du château. Dans la pièce, c'est un récit. La mère raconte ce qu'elle a fait dans le château. Et évidemment, elle a pas de flashback. Et le retour à la fin du récit, Jean-Louis, il est tout seul face à elle. Il n'y a pas la scène avec sa femme. Pour moi, c'était quand même... Enfin, elle est dure. Je ne la trouve pas dure. Je pense que son parcours, puisque vous me demandez quel est son parcours à elle, son parcours, c'est beaucoup à la toute fin sur le canapé quand même. Tiens, est-ce qu'on ferait pas un enfant? C'est peut-être ce qui nous a manqué ou... c'est peut-être... Elle a peut-être une prise de conscience par rapport au fait qu'elle n'ait jamais voulu avoir d'enfant. Et puis d'un coup, tout s'est débloqué du côté de son mari. Et en même temps, elle, du coup, elle se dit, tiens, mais en fait, on pourrait peut-être en faire un, mais parce qu'en fait, c'est lui qui a débloqué des choses. Donc,
C'est peut-être ça qui la rend un coup disponible à devenir, devenir mère. Mais son parcours, à mon avis, il est plus là. Et, mais c'est avant tout, de toute façon, c'est avant tout l'histoire de Jean-Louis. Tous les personnages peuvent avoir un parcours. Le personnage de Vincent, il a quand même, il reprend un peu le dessus en disant qu'il n'est pas un raté. Quoi. Oui. Il le dit bien. Voilà. Ils ont tous un petit peu leur la révolution. Mais c'est vrai, j'avais oublié le coup de l'enfant. Mais parce que ouais, ouais. Ça vient tout à la fin. Donc... Oui, c'est à la toute fin, et puis c'est un peu, c'est pas vraiment traité. Ce sera quoi le prochain film? Je ne sais pas, je suis en train de travailler sur deux histoires, je ne sais pas encore. Il y en a une qui va prendre le dessus à un moment donné, mais je ne sais pas laquelle. Encore. En attendant, vous pouvez voir Laurent Lafitte au théâtre Marigny, si vous voulez, jusqu'au 15 novembre, je crois. Oui. Dans Proust, la mise en scène par Christophe Honoré, donc c'est valeur sûre. C'est un beau spectacle, là. Il reste des places. Ah bon? Vous m'étonnez. Ici, pour la dernière date, pour la dernière date. J'ai déjà regardé tout à l'heure. Pour la dernière, en matinée. Alors, en tout cas, ça a été un plaisir parce que c'était une première pour nous de retrouver des talents. Il y aura d'autres, il y aura Alex Lutz, il y aura Jean-Pierre Daroussin, Lucas Bellevaux, plein d'autres qui vont défiler. Mais j'étais ravi de commencer avec Merci d'avoir choisi.